squat. Allez, go! Je pense que je vais vous mettre de la musique épique derrière, en mode épique. Est-ce que tu connais l'épicness, gamin? Est-ce que tu sais ce que c'est? Bah moi je l'ai appris en français hier, c'est l'enthousiasme, le grandissement, l'extraordinarisation. C'est pas épique, c'est pas. Non! J'ai pas mon forfait! N'arrêtez pas, s'il vous plaît. Putain, mais je lui en ai mis combien? Je vous avais dit que j'étais nul, mais je voulais en être sûr. Je suis sûr maintenant, c'est trop triste. C'était d'une feinte! Bon, d'accord. Tu pourrais me réanimer, mec? Mec, allez, s'il te plaît, fais pas ta pute, mec. Ramène-moi, s'il te plaît. Non? Bon, d'accord. Je sais même pas pourquoi j'ai pris assaut en plus. Non, mais je crois en fait qu'il faut tirer bien coup par coup et que dans la tête avec cette arme aussi. Mais alors, charogne! Go go go! Vas-y, j'ai quoi comme arme? Vas-y, fais tout péter! Pardon, je ne referai plus. Oula! Oula! Je crois que. Ok. Putain. C'est le mec qui vide son chargeur, il a touché personne. Il a détruit toute la salle, il y a plein de trucs qui tient, mais il a touché personne. Ça me rappelle une vidéo de Freddy, ça. Le mec il a deux flingues, il fait le mug, il se met en mode épique, il arrive, il fait des trucs trop stylés, puis il touche personne. Après il le déglingue. Mon forfait. Ça coûte trop cher, vous avez qu'à les faire moins cher vos forfaits. Je les achèterai plus de toute façon. C'est fini. Il est bien ce petit viseur en fait, hein. Je l'aime bien. Bon, il devait être juste. Ok, il y en a un là. Où es-tu, sac à poire? Oui, sac à poire est une insulte. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Ok, je sais où aller. Ma destinée s'est écrite sur un papier aveugle. Oui, je suis aveugle. Sur un papier. Bah, un papier aveugle, du coup, ouais. C'est un bon adjectif ça pour un papier. Je crois que je tourne en rond là, non? Ouais, je tourne en rond. Ouais. Bah, il y a un point qui a disparu là? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est vrai que je joue jamais sur cette map. Ils ont cassé le point C, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que le centre peut s'écrouler. J'avais complètement zappé. Il est endurant, hein, moi, le mec. Le soldat. Hein, parce que moi, courir aussi longtemps, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Hein. Faudrait un truc qui augmente la visée parce que c'est un petit peu. C'est pas assez. Ok, nul. Come on, man. We're gonna catch the point. Enfin, take the point. Oh, y'a un mec là. Je l'ai vu là. Meurs. Il a juste remarché, il est tombé comme une merde. Genre mode. Ah non, j'ai plus de force dans les jambes, désolé. C'est par où la guerre? Vous ne connaissez sûrement pas l'outre et poutre. Mes deux chargeurs de MD-149. En fait, c'est pas mal pour la suppression ce machin. Enfin, surtout pour le. Ouais. La suppression, les assists. Faire un kill en fait ouais c'est bien pour grappiller la vie je pense qu'une équipe de deux un duo je pense qu'un duo sniper et oula ouais un duo sniper et ah oh, mince et DMR ça peut faire assez mal. Oh oh man I make a mistake. Yes, a big mistake. Go! Go, go, go! Non, d'accord. Toi, tu veux pas me laisser entrer, en fait. Ah! Oh, j'en ai eu un. J'ai fait un espèce de cri, genre... Ah! Oh, putain.
Le cri du chimpanzé en chaleur. Ah non, 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 je recharge, ça compte pas. Merde. Je voulais pas mourir à la base. C'était pas dans mes plans. Au début, je suis allé acheter la baguette, la boulangerie du Fournil, hein. Puis après, on m'a engagé comme SWAT. Et après, je suis allé en Russie. Quelle journée de merde. C'est moi où il y a un quad. Regardez sur la carte, il y avait un quad. J'ai pas rêvé. Pourquoi il y a un quad dans cette map? Why? Just why? Headshot. Non, pas headshot. Ah si, headshot. Sors de ton trou, espèce de souris. Non mais les mecs ils te tirent ça au... Tiens, prends de la vie gamin. Gamin, prends de la vie, je t'ai dit. Non mais le mec il se casse quoi. Tiens. Espèce de trou du cul. Mais non mais... Mais tiens. Ah c'est bon. Le mec, je vais l'assassiner à coups de soins hein, s'il continue. Geronimo. Banzai. Banzai, il est où? Il est pas là. Bah il est où? What? Pourquoi il est mort l'autre? Ah, à mon avis ils ont dû s'auto-kill, enfin se tuer en même temps quoi. Je vais ouvrir la porte gamin. Buf. Ah, je vais tirer dans le cul. Je lui ai mis la pastille Fridan là. Oh, wow, le monde de gens. Non, le nombre de gens. En fait, je crois qu'il faut jouer avec un truc nocturne dans cette map. Hein. Sinon, tu vois rien avec toute la fumée et tout. Est-ce qu'il y a les particules? Ah, les particules. Ah, les par... Non, les particules. Où est l'ennemi? Il y a un mec à côté de moi. Ouais. Je l'ai pas touché là? Mais il a sniffé du small beef lui. Ce que j'aime bien avec cette arme, c'est que des fois elle est assez réaliste au niveau du toucher. Alors attends. Bah c'est bon, on peut revenir. Ouais, allez. Tu fais des zigzags sur cette map, c'est assez. Geronimo, il a fait du C4, non? Il est où? Ah d'accord, il l'a enfoncé dans le mur. Putain. Ouah! Non mais on va arrêter de camper là, c'est vilain ça les gens. On fait pas ça normalement si on est un preux chevalier de la table ronde. Un pour tous, tous dans leur gueule. Vous connaissez pas le dicton? Yolo. Y'a un ennemi! Sautez-lui sur la gueule! Et je dis ça, moi je le vois pas. J'ai le temps de toucher, mais non. Le tuer, c'était pas dans mon programme. Ah, élimination assistée. Bah, j'aurais fait pas mal d'assist avec ces conneries. Wow. Pardon. Je ferai plus ça, je vous promets. Oh, double kill. Ah, magnifique. Ah, je suis content. Aïe, aïe. D'accord. Ok, alors moi j'arrive à débusquer les mecs qui sont là-bas en double, en brochette, mais alors le mec qui est devant moi et qui me tire dessus, je le vois pas. C'est normal, c'est comme ça, je sais pas. Il y a des commandants dans les équipes, ça c'est impressionnant ça. Allô, où es-tu mon cochon? Qu'il va m'avoir par surprise ce con là. Ah, ils sont en haut hein. Oh yeah. Ça c'était vilain ça. Oh, la vilainie de cette action. Surtout de l'avoir touché, enfin l'avoir tué d'aussi loin. Ah, la petite musique, vous savez ce que ça veut dire? C'est que l'épisode va bientôt se finir. Oui, je fais des rimes et tout. Attends. A plus. Peut-être dans quelques secondes. Oh, oula, glissade de l'extrême.
Et à la prochaine. Vous aurez des images cheloues, mais pendant tout le temps, quoi. À plus.